Je m'appelle Vanves. Je suis une commune de la région capitale. Une petite ville, la plus petite de la ceinture parisienne avec mes 26 000 habitants. Ce n'est quand même pas négligeable. Et je n'ai rien d'un village de la France rurale. Et pourtant, il fut un temps où j'ai été bien plus importante. Songez qu'il y a moins de 200 ans encore, la ville de Malakoff, un joli bout de Paris et un bon morceau d'ici les Moulineaux, faisait partie de mon espace communal. J'avais même un accès à la Seine, dit-on. Et puis, tout a fondu comme neige au soleil. C'est d'abord ce bon monsieur Thiers. Oui, vous savez, le bourreau. Le boucher, devrais-je dire, de la commune, qui m'a amputé de tous les quartiers qui constituent aujourd'hui la partie sud du 15e arrondissement. Plus tard, c'est la ville d'Issy, les Moulineaux, qui a annexé les territoires qui vont de Corentin-Celton jusqu'à Pont-d'Issy. Enfin, le coup de grâce m'a été porté par un de mes propres quartiers, la Petite Californie, qui a fait sécession pour devenir la commune de Malakoff, en hommage à la prise de la tour du même nom par les zouaves de l'armée française en 1855 pendant la guerre de Crimée. Vanves, dans les 36 communes des Hauts-de-Seine, est la commune qui a le plus petit territoire. C'est une des plus peuplées, on a 30 000 habitants, ce qui fait une densité de population importante, mais son territoire est seulement de 150 hectares, alors qu'il fut, il y a plusieurs siècles, un des territoires les plus importants de la région Île-de-France, puisque Vanves s'étendait jusqu'à la plaine de Vaugirard, comprenait ici les Moulineaux, jusqu'à Montrouge, Malakoff, le 15e arrondissement. Autrement dit, Vanves était une des plus grandes communes dans l'histoire. Et voilà le paradoxe de l'histoire qui nous ramène aujourd'hui à une des superficies les plus petites. Mais je ne désespère pas reconquérir les territoires voisins et on verra bien ce que nous réservera l'avenir. En tous les cas, Vanves a véritablement gardé tout ce qui a fait sa richesse, puisqu'on a daté récemment l'histoire de Vanves jusqu'au IIe siècle. Alors la découverte du site antique de Vanves, c'est une histoire particulière, parce que contrairement au site important de l'Antiquité des alentours de Paris, le site de Vanves avait complètement échappé à l'attention des érudits et des archéologues, jusqu'à il y a une douzaine d'années. Et c'est à l'occasion d'un projet immobilier que tout à fait fortuitement, un sondage a été demandé et que des vestiges antiques très importants sont apparus. Essentiellement, lors de cette première opération qui a eu lieu en 1997, on a trouvé des termes qui étaient manifestement monumentaux. Donc à partir de là, tous les projets immobiliers dans le centre ancien de Vanves ont été surveillés et petit à petit, le site nous apparaît. Cette sorte de lieu de pèlerinage a duré jusqu'au courant du IIIe siècle. Le site a connu une renaissance vers le milieu du IVe siècle, avec de nouvelles constructions dont le sens reste encore mystérieux. On sait cependant qu'il s'agit d'un lieu important avec des constructions nombreuses et techniquement très élaborées, dotées par exemple de chauffage par le sol. C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers fours de poterie, qui vont donner naissance à une activité importante aux époques mérovingiennes et carolingiennes. Des traces de fossés à la fin de l'époque carolingienne laissent également penser à des fortifications. Je rêve à de nouvelles fouilles près de l'église Saint-Rémy. Nul doute alors que des souvenirs plus précis me reviendraient, mais ceci est une autre histoire. En 1999 et en 2005, on a fouillé d'abord des termes monumentaux assez imposants qui s'étendent sur au moins 400 mètres carrés. On s'est aperçu qu'ils étaient doublés par un portique qui entourait une grande esplanade. Donc on a déjà un premier élément monumental. On a également, en 2004, trouvé une domus, enfin un bâtiment très important, qui est décoré de peintures murales extrêmement riches, qui dénote un soin particulier, une attention particulière à ce bâtiment. L'élément le plus important dans ce bâtiment, c'est une peinture murale, on appelle ça une mégalographie, c'est une figure à échelle 1 pour 1,5. C'est une nymphe, un personnage féminin. Donc tout ça, ça dénote que le site de Vanves est un site vraiment particulier, des environs de Vitesse. Le site de Vanves est important, mais la question qui nous occupe, c'est encore de déterminer sa nature exacte. C'est-à-dire, on se demande pourquoi il y a, à l'époque antique,
des monuments à Vanves, puisqu'on est, on est dans la campagne à l'époque antique, on est à deux lieues de Lutèce, donc il n'y a pas lieu d'avoir des bâtiments importants. Donc il y a une raison. Alors est-ce qu'on est sur une villa, c'est-à-dire la partie centrale d'un domaine gallo-romain? Est-ce qu'on est sur une petite ville ou est-ce qu'on est, la troisième hypothèse, celle qui est à notre faveur actuellement, c'est qu'on pourrait être sur un sanctuaire périurbain. C'est-à-dire qu'il y aurait Lutèce et autour de Lutèce, des sanctuaires dédiés à tel ou tel dieu dans lesquels se rendraient les gens de la cité, c'est-à-dire de Lutèce mais aussi de ses environs, à des célébrations de façon plus ponctuelle. Vanves, à l'époque gallo-romaine, c'est un petit vallon qui s'ouvre sur le coteau de Meudon et c'est un petit peu à l'écart de la voie. Donc le sanctuaire, pour l'instant, c'est l'hypothèse qui a un peu les faveurs des chercheurs. Mais le temple, on ne l'a pas encore trouvé. Il paraît que c'est Clovis, le premier roi des Francs, qui aurait fait de Vanves et de son église Saint-Rémy un prieuré de l'abbaye royale de Sainte-Geneviève. Sans doute faut-il y voir la main invisible de la bigote Clotilde, sa très chrétienne épouse, grande admiratrice de l'évêque Saint-Rémy. Toujours est-il qu'à la fin du Xe siècle, en 998, une charte du roi Robert le Pieux mentionne explicitement mon nom latin, Venva. Mais le véritable événement, vers la fin du Moyen Âge, se situe sous le règne de Louis IX, le prétendu Saint-Louis, lorsque le supérieur de Sainte-Geneviève, l'abbé Thibault, décida d'affranchir les serres de Vanves. Lui aurait sans doute davantage mérité la canonisation. Vous pouvez facilement imaginer l'ambiance qui a pu régner à ce moment. La guerre de Cent Ans fut pour moi une épreuve terrible. Pour tout dire, elle me ruina. Tour à tour, les Anglais, les Bourguignons et les Armagnacs pillèrent, incendiaires, violèrent. Une fois l'interminable tourmente passée, je repris goût à la vie. Et l'église Saint-Rémy, reconstruite, redevint le centre d'un village prospère. Un peu plus tard, la construction de la nouvelle église Saint-Rémy, de style gothique, était achevée. Sa consécration occasionna des célébrations et des festivités qui durèrent plusieurs jours, avec moult ripailles, jongleurs, musiciens, danseurs et saltimbanques de tout poil. C'est alors que je me transformais en lieu de villégiature. Dans ce creux de vallon verdoyant, on se remit à goûter le vin clairet de Vanves et son beurre renommé jusqu'à Paris. Des notables de la ville vinrent séjourner chez moi en y établissant leur maison des champs. Des parlementaires, comme les De Harlay et De Thou, mais aussi des poètes, tels Philippe Desportes et son neveu Mathurin Régnier, qui annonçaient Molière. Des artistes comme François Clouet, le portraitiste des rois, et Pierre Lescot, à qui l'on doit la Fontaine des Innocents. On y vit accourir Ronsard, Malherbe, Jean Goujon et tant d'autres. J'étais célèbre. Oui, au début de la Renaissance, Vanves, c'est un village assez verdoyant, village de viticulteurs, d'agriculteurs, de carriers, de blanchisseurs, et c'est un village proche de Paris. Il s'ensuit que les intellectuels, comme on dirait maintenant, y trouvent un havre pour s'écarter de Paris, qui est mal commode, mal léger pour la circulation, etc. Et ils installent les uns et les autres ce qu'ils appellent des maisons des champs, c'est-à-dire des résidences secondaires. Les riches propriétaires de Paris ou commerçants ou autres sont venus s'installer ici parce qu'on respirait avant un air bien meilleur que dans Paris. Et l'exemple des princes de Condé qui ont fait construire le château, le prince de Condé et donc qui est devenu le lycée Michelet aujourd'hui, était vraiment significatif puisque même quand plus tard c'est devenu un lycée, les élèves du lycée Louis-le-Grand venaient ici pour y faire des activités physiques. Oui, le chancelier Duprat est un personnage assez peu recommandable. Le chancelier, c'est-à-dire pratiquement le premier ministre de François Ier. Il a été à l'origine, d'une part, de la monarchie absolue, en réduisant le rôle du Parlement et des Parlements régionaux, et aussi était à l'origine des guerres de religion réagissant très durement contre l'affaire des placards, c'est-à-dire des libelles protestantes qui avaient été appliquées jusque, les placards, c'est-à-dire des tracts qui avaient été appliqués jusque sur la porte de la chambre de François Ier. Il avait un hôtel
entre autres, ces grandes propriétés dont parlait, il possédait le château des Coins par ailleurs. Et c'était là aussi, comme pour les intellectuels de la Renaissance, c'était pour lui plus une résidence secondaire qu'une résidence principale. Je ne retrouvais le calme que sous le règne du bon roi Henri IV, qui ne manqua pas de venir rendre visite à ses amis intellectuels, comme on ne disait pas alors. Après une longue suite de seigneurs, d'un côté les moines de l'abbaye de Sainte-Geneviève et de l'autre des notables laïcs, je tombais sous la férule bien légère des princes de Condé. Je n'avais jamais visé si haut. Il faut dire que ces nouveaux venus étaient plus souvent à Chantilly que chez moi. Toujours est-il que dans le parc de leur château, là où est aujourd'hui le lycée Michelet, les fêtes succédaient aux chasses et aux feux d'artifice et le jeune roi, Louis XV, y vint à l'occasion. Mon activité de tous les jours était consacrée à la vigne, à l'élevage, à la culture maraîchère. Et puis voici que, profitant d'une eau abondante que l'on trouvait dans les puits et dans les fontaines, la blanchisserie se développa. Depuis longtemps, elle fournissait du linge propre et frais à la cour de Versailles. Puis, elle servit nobles et bourgeois de Paris, et à cause des rues transformées en cloaques infectes en été et recouvertes de glace en hiver, que voulez-vous, il fallait bien que l'eau s'écoule quelque part, je m'en l'ai dit tout à coup et pour longtemps. Après une longue période, une longue dynastie de Vaudétards, qui était les seigneurs de Vanves, la seigneurie de Vanves échoit au Condé. Condé qui font là aussi bâtir une petite maison des champs sur la hauteur qui domine un peu en direction de Paris. Là encore, comme Monseigneur Duprat, la résidence principale des Condé, c'est pas Vence, c'est Chantilly, c'est la maison mère. Alors ça, c'est un petit pavillon qui représente à peu près, même pas le tiers du bâtiment central du lycée Michelet actuel, que l'on voit à partir du boulevard du lycée, et avec un grand parc qui s'étend avec ses communs jusqu'à la rue d'ici et jusqu'à la place de l'Âtre de Tassigny. Alors que dire des Condés, sinon que c'est des seigneurs tout à fait aussi peu autoritaires que possible. Ils se mêlent peu des affaires de la ville, ouvrent leur jardin lors des festivités aux habitants de Vanves. Ils se conduisent, on pourrait dire, en bon père de famille. À l'époque de la Révolution, le prince de Condé quitte le 15 juillet son château de Vanves, enfin sa maison de Vanves, et rejoint l'Allemagne où il contribue à former l'armée des émigrés, l'armée de Coblence. Lorsque la Révolution éclata, les vignerons, les maraîchers, les blanchisseurs et les commerçants qui remplacèrent les seigneurs agirent au mieux de mes intérêts et, vaille que vaille, je traversais cette terrible époque en passant à travers les gouttes. Je l'avoue, je le dois beaucoup aux blanchisseuses, car en allant livrer leur linge à Paris, elles m'informaient de ce qui s'y passait réellement. Même la terreur et la famine qui s'ensuivit furent moins insupportables qu'ailleurs. Du reste, il n'y eut qu'un guillotiné chez moi. Alors, ils n'échapperont pas à l'instauration des passeports, ils n'échapperont pas aux visites domiciliaires, ils n'échapperont pas non plus à la famine. Ils vont être obligés d'aller chercher parfois très loin du grain. Et au total, il n'y aura qu'un seul guillotiné. Un seul guillotiné qui sera l'animateur d'un comité révolutionnaire qui visait à tourner sur la gauche le conseil municipal et que le conseil municipal, par la suite d'une manigance, on a trouvé chez lui quelques arpents d'avoine qui n'étaient pas récoltés et on l'a considéré comme affameur du peuple puisqu'il n'en faisait pas profiter la population et il a été jugé par Fouquier-Tinville lui-même et guillotiné. Au temps de la restauration, on me modernisa en repavant les rues défoncées, en disposant quelques réverbères pour l'éclairage public et surtout en installant des égouts. Alors 1840, c'est une année maléfique pour Vanves, pour deux raisons. C'est la construction du chemin de fer de Paris à Versailles, qui va couper
la commune en deux et qui ne va pas figurer sa séparation, avec plus tard la création de Malakoff. On trouve au milieu de la ville des passages à niveau, on trouve des rues fermées. Il n'y a pas de gare avant. La seule gare, c'est celle de West Ceinture, qu'on appelle encore la gare de Vanves, parce qu'on considère que les paysans n'ont pas à prendre le train. Donc les Vanvins étant paysans pour l'essentiel à cette époque-là, n'ont qu'à utiliser leur charrette. Et le deuxième, c'est la construction des fortifications de Paris, qui font de Paris la ville la fortifiée la plus grande du monde, et qui va amputer Vanves d'une partie de son territoire, avec le rattachement aux arrondissements du 15e et 14e arrondissement de Paris. Le règne contesté de Napoléon le Petit, comme le nommait Victor Hugo, s'achève en déroute à Sedan. Si je ne souffris pas trop de la guerre de 1870, bien que les Prussiens aient été à mes portes, la Commune fut pour moi un épisode tragique. Non pas que je pris parti pour les fédérés ou pour les Versaillais, mais parce que ces derniers choisirent de passer précisément par chez moi pour entrer dans Paris en révolte. Pour faciliter l'entrée des troupes versaillaises, les Prussiens libèrent le 7e, 8e, 9e secteur de fortification, c'est-à-dire qui va du fort de Montrouge au fort d'Issy. Et c'est par cette brèche que les troupes de Thiers vont rentrer. Ils vont profiter d'un angle mort entre le fort d'Issy et le fort de Vanves, qui se trouve très exactement au pont du Clos-Montalon. Et il va y avoir une bataille qui va durer plusieurs jours, Vanves étant quand même un point d'appui assez important, avec deux points de défense qui sont le Clos des Aliénés, c'est-à-dire le parc municipal actuel qui était saint de Mur, et le lycée Michelet qui également était saint de Mur. Alors ils vont passer, les troupes versaillaises vont se battre pendant 4 jours dans le parc. L'actuel parc municipal. Ils vont entrer par la rue des Vinaigriers, c'est-à-dire la rue Larmeroux actuelle, par le chemin de Châtillon, c'est-à-dire par la rue de Châtillon actuelle. Puis ils vont s'emparer du lycée Michelet et rentrer finalement dans la porte de Versailles. Le tout aura quand même coûté 10 jours de bataille et aura été précédé d'environ un tiers d'artillerie de 30 000 obus, tant sur les forts de Vanves d'ici de Montrouge et sur le vieux centre de Vanves. L'église sera durement touchée, son clocher partiellement démoli et la nef effondrée. Du 21 au 28 mai 1871, c'est la semaine sanglante. Rue après rue, les Versaillais investissent Paris avec la bienveillante neutralité des Prussiens. Partout des barricades, des immeubles éventrés, des bâtiments en ruine, des rigoles de sang. La commune a péché. C'est l'heure du châtiment. Le peuple a défié les puissants, les Parisiens ont rêvé d'un monde plus juste. Tout cela doit s'expier. Les dernières barricades viennent de tomber, au cimetière du Père-Lachaise, on se bat au milieu des tombes. Versaillais ne font pas de prisonniers. Exécution sommaire contre le premier mur venu. Peu après, principalement à cause de ce maudit chemin de fer et d'une spéculation immobilière débridée, je perdis une grande partie de moi-même, qu'on appela désormais Malakoff. C'est de cette époque que datent les puces de Vanves, seule survivance des fortifs. Dans le No Man's Land, vide par obligation stratégique qui s'étendait au-delà du mur d'enceinte de Paris, allait se développer toute une série d'activités plus ou moins autorisées ou légales, de la prostitution au dépouillement des passants en passant par de petits marchés populaires, les fameux marchés aux puces. Pendant la Grande Guerre, le lycée Michelet fut transformé en hôpital militaire
Et si je ne souffris pas trop des privations ou des obus de la grosse Bertha, mes enfants, hélas, disparurent en plus grand nombre que partout ailleurs. Vence paya un lourd tribut à l'hécatombe. Avec 700 morts, elle se situa au-dessus de la moyenne nationale. Un tué pour 24 personnes à Vanves, un tué pour 28 personnes en France. Après la guerre de 1914, un sentiment d'euphorie régna un peu partout. C'était la guerre des guerres, la dernière guerre des dernières guerres. Et puis en plus, il y avait le système de sécurité collective mis en place par la Société des Nations. On allait donc vers une période de paix et de prospérité sans fin. Et finalement, on allait pouvoir reconstruire, bâtir de nouveau, et en particulier, reprendre le programme de construction de logements sociaux arrêté net en 1914.